Et c'est tout de suite, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Uranium. Ça faisait longtemps, je vous en parlais, etc. Il s'est passé pas mal de choses. On est sur la route victoire, l'équipe a un chouïa changé depuis la dernière fois. J'ai capturé un cométeur qu'on a fait évoluer en astronite par échange. Donc, j'ai eu du mal à en avoir un qui avait un bon talent. De bonnes stats. Là ça va, c'est ok, c'est pas transcendant mais c'est ok, il a plus de la moyenne partout. Et en plus de ça il a pressé de nature, donc bon ça passe je trouve. Et en plus il a fermeté, ce qui est ok, je pense ça évitera qu'il se fasse one shot. On va le faire XP, bref, j'ai pas été trop loin, enfin j'ai été juste là dans la route victoire, du coup je suis allé dans la grotte qui est juste à droite, il y a une petite grotte. Alors, aucune idée, ça peut nous laisser le choix, ouais clairement. Aucune idée de ce qu'il y a après. J'ai affronté aucun dresseur, j'ai pas testé encore. Je sais même pas ce qu'il y a dans les herbes. Donc bon, on va faire XP Astronite, on va essayer de faire XP un peu tout le monde. Notamment Astronite et surtout Astronite en fait, parce que je pense que ça peut être un Pokémon qui avec un peu d'avance en niveau peut one shot un peu tout le monde. On va voir comment il se débrouille contre le Alpico. Ah, Alpico est plus rapide déjà. Est-ce qu'il peut potentiellement le one-shot? J'y crois pas trop. Ouais, pas du tout même. Bon, il a bizarre, on va éviter, on va envoyer Archel du coup. On va jouer un peu safe. Sinon, pourquoi il n'y avait pas de vidéo pendant un petit moment? Déjà, il faut savoir qu'actuellement, j'ai... Par contre, les streams ont continué. Les vidéos ont un peu ralenti tout simplement parce que je fais actuellement en stream Pokémon Diamant en Random Nuzlocke. Ce que j'avais prévu pour YouTube, c'est de faire... des best-of de ça où c'est beaucoup plus court, c'est genre 10 à 20 minutes voire un peu plus, mais c'est vraiment résumé en fait de 2-3 heures de stream. Et j'avais fait le premier épisode, sauf que j'ai eu un petit problème de type logiciel qui a crash. Le problème c'est qu'en plus de ça le logiciel a crash et en plus a corrompu la sauvegarde que j'avais du projet. Donc déjà j'avais bien les nerfs. Là, j'aurais une attaque roche, je serais le roi du monde. Là. Ça a corrompu la sauvegarde, du coup, je me suis retrouvé à devoir tout refaire à zéro. Ah bah, au revoir, Astronite. Ce que je suis en train de faire, c'est long parce qu'il faut. Ah oui, mais c'est vrai, il a fermeté. Parce qu'il faut tout dérush, donc dérush. Ah bah, putain, il y a la grêle. Tout dérush, c'est extrêmement long. Pour 2 heures de stream, à des rushs, ça me prend 3 heures de montage au moins. Environ. En sachant que là, c'est vraiment un montage que je... Enfin voilà, ça va être pas mal. Donc je compte sur vous pour regarder et me donner vos avis. Là-dessus. Sur le montage, quand il sortira bien sûr. Il a fait quoi là? Ok, il m'a fait une grosse attaque... imprévue. Et sinon, voilà. C'est les raisons pourquoi il y avait un peu plus rien. Plus le fait est que enfin, voilà, les streams c'était full Pokémon Diamant. Du coup il va y avoir quelques best-of qui vont sortir petit à petit. Mais voilà, ça me prend du temps à les sortir. C'est pour ça, paniquez pas. J'ai aucune idée de ce que c'est Mostra, je sais pas quoi. Ok, je pense que Mastosinge est mort. C'est un insecte glace. C'est raide ça. Bon, notre MVP sera Archil, hein, là-dessus, il n'y aura pas trop photo, je pense. C'est lui qui va nous carry tout le long de la guilde. De la ligue. Voilà, ils l'ont mis vol glace, mais bon, j'y crois pas trop. Balabaram, balabaram. Bon, on va faire demi-tour et on va aller soigner Astronite. Astronite a l'air d'ailleurs d'être giga chiant à monter en XP. Ah, on a trouvé aussi une solution pour Pokémon Artefact. Ça y est. Mais ça va me prendre du temps, donc Artefact ne va pas reprendre tout de suite. En gros, je vais récupérer la save de Dr. Chips, donc merci à lui de m'avoir filé sa save. Qui est à Johto, grosso modo. Mais bon, du coup, je vais recomposer mon équipe et je vais refaire tout ce que vous avez déjà vu. Donc ça va me prendre du temps, c'est pareil. Hein. Je rappelle que là, en plus, je suis en train de pas mal jouer Dofus Retro dans mon coin. Plus
Le fait est que je suis en train de stream très souvent Diamant Random Nuzlocke. J'aime beaucoup le faire, ça me plaît beaucoup, c'est cool. En plus on gère pas trop mal, on a pas trop de Pokémon morts pour le moment. Donc on va pas s'en plaindre. Balam balam balam. Alors j'ai aucune idée s'il faut passer à gauche ou à droite du coup. On va tester les deux côtés. Si on voit que l'un va trop loin, peut-être qu'on fera demi-tour, je sais pas. Par contre il a pas tant de... Ouais, il a pas beaucoup de PP. C'est un peu le problème d'Astronite là, il a que Psycho. En vrai il a Choc Psy mais... Vas-y on va tester. De toute façon Choc Psy ça tape en attaque SP sur du physique. Enfin ça transforme en physique si j'ai pas de conneries donc merde. Mes prémonitions me disent que tu n'iras pas plus loin que ça. Ok. Eh bien voyons voir ça. Ok, bah déjà c'est un switch. C'est déjà un switch du coup. Putain, en vrai c'est compliqué. Hein. J'ai personne qui a d'attaque ténèbres. Vous voyez, il est Maïsberg, je pense. Comme ça il pourra tanker. Putain, il est plus rapide. Si je le gèle pas, ça va être chiant. Pas assez de dégâts. Qui faut qu'on fasse XP? En vrai, je suis un peu under XP quand même. C'est un peu chiant. Et pourtant, j'ai un peu XP. Je pense que avant d'arriver à la ligue, on fera encore un peu d'XP. Là, je pense que là, on arrive vers la fin du jeu, grosso modo. On est à peu près à 2-3 épisodes de la fin, je suppose. Je suppose, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et même s'il y a un peu de temps de jeu après la ligue, pour le coup, je pense pas qu'on le fera. Asparasite. On va envoyer Rombelle. On verra. Vent violent. Oh putain, il a raté l'attaque. Sinon, je pourrais... En vrai, c'est bon, ça va. Il a touché son vent violent. Oh, il a fait 0 dégâts. Imagine, tu fais 0 dégâts sur une attaque, sur ta meilleure attaque. Enfin, et encore, c'était un crit. En fait, il a pas fait 0 dégâts, mais c'était un crit, quoi, donc bon. Lame d'air. Ok, ça passe. Hirombelle, c'est vraiment pas terrible. Hein. Quoi? À Paraboom. Ok. Ok. Salut Crazy. Putain de merde, il est anti-bruit. J'avais pas. Ça c'est le pire bail hein, ce que j'ai fait je crois. Je crois qu'il est psy donc c'est le pire bail. De toute façon on va retourner au centre Poké. Même pas, il est pas psy. Il est peut-être normal psy, non? Je sais même plus. J'aurais dû faire... Non, ça passait pas. Même Vampipoint passait pas. On peut tenter Astronite. Parfait, plus rapide. Et il va prendre toute l'XP 2400. Faut vraiment qu'il prenne des niveaux. Je pense qu'après, quand il aura pris quelques niveaux, il pourra... Il y a encore une grotte là. Vas-y, c'est quoi cette route de victoire? What the fuck? C'est une route de victoire, il y a 8 millions de trucs au milieu, genre. Enfin, il y a 8 millions de chemins possibles. Bon, là, on n'avance pas, mais c'était. C'est un épisode, on va dire, où j'avais besoin de vous informer un peu de ce qui se passait et tout. Il y a encore un. Il y a un pont, il y a une grotte en bas, il y a une grotte à droite. Genre, il y a combien de chemins pour.
Dis pas qu'on peut surfer là, non. J'allais dire, s'il y a encore un chemin en passant par l'eau, pète un câble. Je vais plus savoir où aller, quoi. Padam, pam, 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 pam. Vitesse extrême. Bah là, pour le coup, le double type est plutôt intéressant. J'affronte tous les Pokémon sauvages vu que Astronite a besoin d'XP. Hein. Alors, je suis allé dans la grotte, mais j'avais laissé l'objet, c'était une CT. Ok, complètement usé. Ah, il y avait un objet là, celui-là, j'ai pas vu. Un guérison, on prend. Tum tum, tum tum. Grotte de la route Victoire. Ah bah. Ok. Vous voyez, c'était juste le haut de la grotte où j'ai chopé Astronite. Enfin, j'ai chopé Cométéor et ensuite je l'ai fait évoluer en Astronite par échange. C'était juste là. Et c'est chiant. Ah, il est 52 celui-là, ah ouais. Si je fais choc psy, ça doit aller, non? Parfait. Parce que je veux pas cramer tous les PP de psycho maintenant, quoi. Je voudrais avancer un peu dans la grotte sans devoir retourner au centre Pokémon. Cage éclair, ok. Là, ça m'amène où? Qu'est-ce que je fous là? Quoi? Qu'est-ce que... What? Je me retrouve... Ok. Je crois qu'on va faire vol. What the fuck? Imagine t'es à la route Victoire puis d'un coup tu n'y es plus. Pourquoi avoir fait ça? Ah, de l'XP. Bon ouais, ça fait de l'XP. Hein. C'est l'XP gratuite vu que je l'ai one shot. On va faire vol. Glimaçon. Quoi? Ah mince, pas exprès. On va juste tranquillement faire vol. Hein. Je pense que c'est le mieux. Qu'est-ce qu'on fout là? Vallée des flammes. On n'est jamais allé là en plus. Ça augmente les chances qu'il tape en premier. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Total soin. On va aller dans la grotte voir. Je pense qu'en fait il faut pas aller dans les grottes, mais. Grotte de la route Victoire. Il y a quoi dedans? Encore des cométéores, ok. Du coup, on va pas perdre notre temps. Ça, on va mettre 8 ans le tuer. Sombre bol surf. Ah, me dites pas qu'il faut cascade. Je sais même pas si j'ai la CS. Dans tous les cas, je l'ai pas. Même si je l'ai pas apprise, quoi. J'ai pas trop envie de la prendre. Il y a encore une grotte ici. Ah, je suppose. Non, même pas, c'est pas logique. J'allais dire, je suppose que la grotte ramène au bout de grotte qu'on voyait, mais. Alors, Sonic. Ah. C'est vrai que Sonic est type sol. Vive fermeté. Bah, je peux envoyer Rombelle en fait du coup. Ce qui va sûrement refaire ça. Voilà, parfait. Et là je l'enchaîne avec Lame d'air ou Vent violent. Touche ton vent violent, please, please, please. Parfait. L'animation est quand même marrante. Ok. Tendu mais ça passe. Et ça y est, la lame de roc. Alors, force cosmique, augmente sa défense P. Peut-être le garder ça. Co-cancer. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est lui.
Merde. Ah, les Pokémon qui ont le moins de précision au monde. Il va me le one shot d'un coup, je vais dire yes. Allez, one shot le là au moins. Parfait. Ok, c'est pas mal. Topper fort. Là par contre, faut changer de d'urgence. On peut envoyer l'iceberg, je pense. Surf. Il y a vraiment une sale gueule Topper fort quand on y quand on regarde quand même. Il y a une sorte de masque de carnaval chelou. C'est un Pokémon second degré quoi. 20 de carottes, c'est pas le truc qui rajoute 50 HP ça? Non, 100 HP. Oh, let's go. J'ai beaucoup d'argent hein. J'ai peut-être beaucoup d'argent. On va faire demi-tour. Encore une fois, désolé. On va se soigner et on va aller acheter quelques objets. Passons. Peut-être claquer quelques repousses. Je ferai de l'XP après. Là, on va essayer de rush. Mais j'ai des max repousses. Hop, là, on trace. Total soin. Oh, stylé l'entrée. Pourquoi se spécialiser que dans un seul type? Je préfère tous les utiliser. Yes. Il est quoi? Il est sol glace lui, non? Peut-être que glace en fait. Le fait zéro dégâts. Pas le choix, hein. Astronite fait pas tant de dégâts que ça en vrai. Vraiment là. Sécheresse. Dégel. En même temps, en pleine sécheresse, si tu dégèles pas, il y a un souci quand même. Qui va encore prendre un niveau, Artil. Duplicate. Ah, c'est le métamorphe, ça. C'est la sorte de métamorpheux, non? Ah, c'est ça. Tiens, prends un caillou dans la bouche. Ah, mais non, mais ça tape en physique. C'est pour ça que ça fait pas tant de dégâts que ça. Ah, après, il fait vol miroir, donc... ça m'arrange, quoi. Finalement que ça tape en physique, ça m'arrange pour le coup. Enflagué par Flamèche. Oh, il va pas faire beaucoup de dégâts là, malgré la sécheresse. Malgré la sécheresse. Ah si, il fait un coup critique. Parce que c'est bien ce qui me semblait, c'est un taux de critique élevé l'âme de rock. Je crois. Un rappel, l'entrée elle est genre giga stylée par contre. Deux secondes, on va soigner. Non, pas le bon sens. 200 HP, ouais, 200 HP. Pururum. Ok, let's go. Bon, je suppose qu'il fallait aller tout droit, quoi. Maintenant, as-tu entendu parler des mythes à propos des Pokémon légendaires de cette région? Tracton. C'est pas terrible, Astronite, contre ça. Hein. C'est même à éviter. Hein. Peut-être envoyer Mastosinge. Il tank. C'est pas dit qu'il tank.
tank même pas du tout. Bon, bah, on n'a pas le choix. Artil encore une fois. Je peux faire surchauffe et puis on va changer de Pokémon sur... Oh putain, il a raté. Bon, il a raté aussi. Je vais pas le faire méga évoluer parce que j'ai pas envie qu'il y ait la sécheresse. Asparasite. En vrai, Astronite devrait s'en sortir contre. Je fais des lames de roc. Il est poison ou il est psy, Asparasite? Je sais plus. Je crois qu'il est poison. Il est peut-être les deux. Oh putain. Please quoi. J'ai pas vu que j'ai plus de PP. On va faire ça. Et on va faire un 20 carottes. Ça a l'air pas mal comme ça. Par contre, il va me faire. Oh, oh putain, il fait quand même mal. Ce serait bien que je le rende confus avec Psycho, mais bon. En fait, ça veut juste pas qu'il m'empoisonne en fait. S'il m'empoisonne pas, ça passe. Ou alors, je devrais faire choc psy. Il y a peut-être beaucoup de défense P en fait. Et peu de défense. J'aurais dû y penser avant. J'ai pas pensé à tester et j'aurais dû. J'ai pas vu ce qu'il allait envoyer. C'est vrai qu'il n'y a pas de PP. J'ai cramé trop vite mon PP+. Tous mes PP+, j'étais con. Bon, ça c'était prévisible. Mastos, c'était une mauvaise idée, mais c'est pas grave. Vu qu'il a 2 HP. Yo Adrien. Ouais, il le tank pas. C'était un peu prévisible quand même. Lima Iceberg du coup. Et ce sera parfait. Bah, laser glace, hein. Sauf si c'est one shot, non ça va. Je suis vraiment under level. C'est vraiment pas très équilibré Uranium quand même, hein. Pas se mentir que hein, l'équilibrage, tout ça. Bon, on va faire demi-tour. Encore une fois. Là y'a pas le choix, toute l'équipe s'est faite démonter là un peu. Pas simple à prendre en même, parce qu'il y a des fois des Pokémon où tu te dis mais comment ça il est type fée lui, ou comment ça il est de ce type là, mais. Faramp, parfait ça. Putain, j'aurais pas dû cramer tous mes PP+, je regrette. Il a rayon signal. Comment il fait aussi peu de dégâts avec Ouais, il fait tout le temps. Que ça soit en attaque SP ou en attaque, il tape 0. Ça... Pourtant, l'âme de rock, voilà quoi. Bonjour, l'attaque pété. Bon, tant pis. On peut envoyer qui? Archil ou Archil, je pense. Mais qu'a priori, il fait des rayons signal. Parfait. Plutôt chiant. Plutôt chiant. J'aurais dû faire séisme. Pas été très malin là. Ah, il a augmenté sa def. Bon bah. Bon bah. On va méga Evo du coup. Je pense que ça l'OS.
Pas du tout. Ah, c'est dommage. J'ai fait lance-flamme. Oh putain, mais non, mais la confusion. Je me fais karma par le jeu, c'est ouf. Enfin, même pas karma, en fait. Je me fais démolir par la RNG, quoi. Allez, hop, ça dégage. Je sais même pas ce que c'est, en paille. Ok. Faut que j'arrête de mettre Artil devant parce que... Enfin, d'envoyer Artil parce que... Il démonte un peu tout le monde. En fait, le problème, c'est qu'il y en a aucun qui a des types O. Du coup, jeu-là, il sert strictement à rien. Néopunk, aucune idée de ce que c'est. C'est un psy. Ah, ça, c'est clairement un type psy. Au pire, on sacrifie Mastosinge et on envoie Astronite. On va faire ça. Du coup, on va le soigner. Ça, c'est clairement un type psy. Ça, ça se voit à 8000. Ah, il est pas mort. Je pensais qu'il mourrait. Ok. Plus rapide. Logique. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est original comme Pokémon. C'est un robot. Électrique. Genre, c'est chelou. Ça, c'est le genre de Pokémon qui a pas de défense, normalement, ça. Peut-être que si. Peut-être que si au final. Les dégâts, c'est pas trop ça quoi. Ah, il a 1 HP. La blague. Bon, au moins lui, je pense que lui, il va me donner de l'attaque spé en EV. Que de faire inutile sur 20 parce que j'ai pas de type acier. Ok, 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 ok. Putain, je pensais pas qu'elle tournait. Je pensais que c'était un perso fixe. Ah, oh bah super, Nymphalie. L'amusement à l'état pur. Qu'est-ce que je haïs ce Pokémon? Enfin, je haïs tous les types de toute façon donc. À partir de là, je vais expédier ce truc. Je haïs tellement les types faits, je veux juste l'expédier. Allez hop, au revoir. J'aurais pu même abuser et faire un gros surchauffe. Je sais pas du tout ce qu'il m'a envoyé. Ok. Ça c'est cool. Tout rien. Bah super. Ah, c'est une attaque où il se suicide et où il m'inflige masse dégâts. Pas super. Coco, je sais pas quoi. Ok. Un type plante. Ah non, cocotine. Ah merde, pas du tout un type plante. Putain, mais il a que des types fées, cet enfoiré. Du coup, je haïs ce dresseur. Non, bah non. Bah non, pas quand il y a le feu. Pas quand il y a la...
Le soleil, putain, quel débile. Bah le soleil baisse. Voilà, cette fois ça passe. Ah ouais, j'ai tempo un tour du coup. Avec la plongée. Allez, prends level. Même pas, putain. Pourquoi tu m'as battu? Aucune idée, gros. Total soin. Voilà, par contre, faut soigner un peu tout le monde. Sinon, c'est la galère. Niveau XP. Niveau XP, niveau vie. Archie, il n'y a pas vraiment besoin. Hein. Il peut un peu. Il peut tout tanker. Après, j'ai toujours des guérisons, des potions max. De toute façon, on en rachètera à arriver à la ligue, sûrement. Enfin, c'est même sûr. Mm-hmm. Suivant. Doug. Là, je peux juste faire lame de roc. Ah, ça fait zéro dégâts. Il fait zéro dégâts. Oh, il a des restes. Oh, le petit con. Critique. Ouais. L'astronite, vraiment. Pas terrible, terrible. Je pensais qu'il serait plus puissant que ça. J'ai pas pensé qu'il avait strato percute cet enfoiré. Bon, au moins une iceberg a bien tanké. Pharamp, bah là pour le coup. Ah, je peux envoyer Gélin en vrai. En vrai. Peut-être moyen de baisser sa défense P ou quelque chose du genre. Oh, please. Oh, ils ont tous des restes en plus. C'est trop chiant. Giga s'en suit peut-être, il survit. Je tente. Ah, je crois pas. Vouloir de pas beaucoup. Ah non. J'ai tenté. Donc Gélin est plus rapide par contre. Bah tout le monde est plus rapide du coup en fait. Même Hirombelle est plus rapide. Même Mastosinge est plus rapide je crois. On va envoyer Mastosinge. Et il le finit. Parfait. 3015 d'XP, il a même pas pris un level. Ah dommage. Oh, là, je sais pas. Il y a un Léviator, j'ai pas gelé. Je suis deg. Laser glace. Même là j'ai pas de chance. Ah, ils ont tous des restes, putain quelle horreur. Sur les lives de Pokémon Uranium, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui fait le jeu parce que le jeu date un peu quand même. Aussi. Le jeu a déjà quelques années. Donc il y a beaucoup de monde qui l'a déjà fait. Mmh.
Au moins c'est bien, ça fait des lives plus détentes. Au moins s'il y a des gens qui ont des questions, je peux parler, je peux répondre aux questions, ce genre de trucs. Toi là-bas, rappel. C'est bien aussi des lives plus tranquilles, hein, pas forcément besoin de... Moi ça me va. Les lives où on se tape des barres tout le temps c'est cool, mais ceux-là aussi c'est cool, enfin... Canon Amber. Amber. Il prend trop cher Astronite, c'est grave. Yes. Il a enfin one shot un Pokémon. Naflora. Ça a l'air d'être un type plante donc. Oh c'est ce truc ignoble. J'avais oublié que c'était ça. Le légendaire de ce jeu est de quel type? Bah techniquement nucléaire. En vrai il y a plusieurs légendaires donc. Bah super il m'a crit. Yes, je suis heureux. Il a pas de double type, je crois pas. Sismolièvre, il doit être type sol. Donc là on va dire au revoir à Astronite je pense. Ouais. Le problème c'est que j'ai plus... Ah si j'ai gelé en vrai. Et j'avais... Ouais en vrai. En vrai j'avais gelé. Ah il est plus rapide que moi. Oh merde. J'aurais dû faire giga sensu du coup. Je pense pas qu'il le tue. Putain. Cette blague. Bah il rombelle au moins il le touchera pas. Lame d'air, on n'en parle plus. Ouais. Hop, je vais faire un tour au centre Pokémon. Faut que je pense à faire le montage pour YouTube parce que sinon ça va être horrible. Je me prends la tête avec mes scripts qui veulent plus fonctionner, c'est Ivoto. Là on peut plus faire marche arrière. Ah si, par là-bas. Lame de roc, super. Astronite a appris lame de roc déjà, yes. Ah par contre on fait un... Bande étreinte. What is that? Non, pas Pokédex. Qu'est-ce que c'est? Objet à tenir, Bon, ça sert strictement à rien, j'ai fait un aller-retour pour rien. Ça sert à quoi ça? Ok. Ah oui, il a l'antiscope, c'est vrai. On va lui donner ça. Hop, on va faire demi-tour. Enfin, on va retourner là. C'est pas là, ça c'est l'entrée, putain. Ah, ça m'a refait... Ah, ça m'a fait revenir à l'entrée, tout ça, pour un truc qui augmente la puissance de étreinte. Ah, super. Le pire objet. Sombre ball. On n'en a rien à faire pour le moment. Ok,
Ok, qu'est-ce que brut. Super. En fait, ils adorent te faire revenir en arrière pour des objets pourris, en fait. C'est une passion. C'est un peu con, enfin, je sais pas. Ah, je suppose que si je l'affrontais pas là-haut, elle descendait là et elle m'affrontait là. Ouais. Séisme. Attends, mais là c'est le bout. Quoi? Bah, elle est où la suite? Ah là. Yes. Séisme. Je crois que c'est mieux que le. En vrai, c'est mieux que. Lame de rock pour le coup. Ah non mais ok. Non mais je suis débile. Laissez tomber. Oh lol. C'est chaud. Rafraîchissons-nous avec un combat. Bien frais. Emmanuel, il s'appelle le mec? Oh, ce nom. Alors ça c'est un swap immédiat. Pardon? Je me fais démolir par la RNG, je suis trop deg à chaque fois. Ah tiens, ça c'est le karma ça. Je l'écris aussi. Mais bon, le problème c'est que. Voilà. Le problème c'est que. Il m'a eu une fois. Astronie devrait être plus rapide. Parfait. Non bah non. Non bah non, on va pas faire ça. C'est quoi ce poké? Ouais, je sais pas, mais qu'il y a des pokés En vrai, faudrait. Il a fait quoi? Ronflement? Ah mais attends, mais si tu veux pas taper, mec. Si tu veux me faire zéro dégâts Je peux faire en sorte que je prenne des zéro dégâts aussi. Pour plus tard. Au moins plus tard on peut tout tanker avec Astronite et au moins c'est réglé. Ah. Rip. Par contre il a l'air giga tanky, ça va être trop chiant à battre. Éclat de griffe, ok. Ah bah il baisse ma défense, super. J'ai maxé mes stats pour rien. Je me remets mon tableau de bord. C'est bon. Même choc-pied en fait peut être utile donc. Donc bon. Mais il est électrique quoi lui? Je sais pas. En tous les cas. De quel type ton Astronite? Astronite il est psy-roche. Donc bon, c'est plutôt intéressant comme type. C'est pas transcendant mais ça va, c'est pas mal. Le problème des attaques roches c'est que la plupart sont quand même physiques. Et il tape en spé. C'est un peu le problème. J'ai Jolin qui est KO.
hop. On a passé ce dresseur, parfait. Hop, 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 hop. Oh. Merde, j'étais con, je pouvais le skip. Ok, je crois qu'on voit la sortie. Ah, encore le Pokémon Punk chelou de tout à l'heure. Si je fais pouvoir lunaire dessus. Combien il prend de dégâts? C'est ok. Enfin, c'est pas style Poké. Ouais, carrément. On dirait le casque des Daft Punk, il a. Un peu. ...2250, parfait. Ciré, je sais pas quoi. Ah, truc sirène. Ah ouais, non. Ah non, non, non. Voilà, arrose gelin. Il sera ravi. Il dit merci. On va refaire Giga Sensu pour le finir et puis ce sera parfait. Ah, il a fait relais. Oh putain de merde. Quelle enflure. Bah. Relais. Le problème c'est que je pense qu'il est plus rapide que Astronaut. Du coup ça sert à rien que je swap. Ouais. Ah là là. On va envoyer Mastosinge. Bon, la solution de facilité ce serait d'envoyer Archil, mais bon Archil il a tellement d'avance en XP que bon. J'aimerais bien faire XP les autres quoi. C'est vrai qu'il a un jure. Il me fume. Ce talent est trop bien par contre. Surtout sur les Pokémon qui ont de la tankiness de base. Genre c'est incroyable. Le Pokémon il est tanky, il fait un jure, il prend pas beaucoup de dégâts et en plus de ça il continue à enfin il monte en attaque, genre c'est incroyable. Sirenade ou je sais pas quoi. Sirenade ou je sais pas quoi là. Sirenaïade. Sirenaïade. Putain, le nom. Imprononçable, désolé, mais c'est imprononçable. Le mec qui a créé le nom, hein, qui a traduit le nom en français, il est allé chercher loin. Déchet. Qu'est-ce que. Bah, super. Le Pokémon, on savait plus quoi faire, fallait qu'il ressemble à rien. Ça, je reconnais, ça c'est le petit Pokémon fantôme là qui évolue en ça, je suppose, mais bon. C'est claqué un peu quand même. Lutacadabra. Non. Je suis plus rapide, parfait. Même si on le fait zéro dégâts. Je crois que de toute façon on arrive à la ligue en vrai. Donc bon. Acide armure, ok. Ok, deux coups et c'est bon. Ah, il fait patience. Bon, ou Mitra point. J'aurais plutôt dit patience quand même. Topper fort. Putain, mais il en a encore. Mais il y avait combien de Pokémon lui? Il y avait une équipe complète lui.
Ok. Oh, y'a les ninjas, me dites pas qu'ils veulent m'affronter. Bon bah. Plus beaucoup de rappels quand même. Mais en fait, on a plus de potions par contre. Ça, c'est un peu chiant. La montagne gronde sous nos pieds. Ton jugement commence maintenant. Tu as entendu ça? Le hurlement furieux du vent. Qui me fume. Donc un Pokémon vol électrique. Ouais. Warbuck, on va le défoncer pour le coup. Ah non, je peux faire ça. Ah ouais, Arbok par contre... Je pense que Voltasu il va se faire démonter. Parfait. Arbok par contre... Ah bah il a fait un roulement. Parfait. Dudum. Dudum. Ah, lui c'est un peu plus chiant. Ouais, Katona c'est un peu plus chiant. Je crois que c'est quoi? C'est Ténèbres Acier, je crois. Au pire, j'ai fermeté. 3 HP. Là, le mieux c'est que je change Hirondelle et. Non. Non, mais pas Jolin. Je peux pas annuler là? Je peux pas faire retour. Ils ont codé. Comment ils ont codé les combats du jeu? Bah, super, du coup, c'est pas le bon qui va prendre le focus, merde. Excellent ça. J'aurais voulu inverser mais bon. Ah ouais, comme ça. C'était Artil qui se mangeait la tranche nuit. C'était Artil qui se mangeait tout et il aurait 100% survécu à tout. Ah j'aurais dû... merde. J'aurais dû méga Evo. Déjà un en moins. Please. Vas-y, il me saoule à rater ses attaques en vrai. Bon, je pense que l'âme d'air et le lance-lame ça suffira quand même. Même pas. Ça suffira même pas. Ah, quoique. Quoique. Ouais, ça passe. De pas beaucoup, mais ça passe. Oh non. Parfait. Oh de la lave! Ça c'est stylé par contre. Ah par contre du coup faut ressortir les repousses je pense. Ah ouais mais là c'est trop la merde. Eh bien vous savez quoi YouTube, on va s'arrêter là pour ce premier... pour cette première partie de la roue de victoire. Comme d'habitude j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager un max de vidéos. N'hésitez pas du coup à aller faire un tour surtout à Pokémon Diamant quand ça sortira. Je ferai en sorte que... Merci à toi pour le follow d'Apiedad, pardon. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site pour me soutenir. Des bisous.